Bonjour. Voilà, une petite vidéo où je voulais pas parler, et pour finir, je vais quand même vous dire deux, trois petites choses sur cette vidéo. En fait, pourquoi ici j'ai fait un solo rythmique, j'essaie de trouver des idées et j'essaie de les répéter. Donc j'ai pris une idée, j'essaie de la développer juste après, toujours en essayant de respecter un peu les cycles musicaux, musicaux, peu importe. Donc c'est très très important. Et aussi, travailler avec le métronome, très important. Ça vous met des barrières rythmiques tout de suite. Quand on fait un solo ad lib, on va dire sans musique derrière, l'important après, bien sûr, quand vous faites en public, il y a pas, il faut pas mettre de clic, bien sûr. Mais quand vous bossez un solo, essayez de vous mettre des barrières rythmiques pour la précision, très important. Comme ça, vous allez jouer vos débits. Vos subdivisions ou débits, peu importe, dans un tempo juste, vos mélodies dans un tempo juste qui vont se répéter, et peu importe, après si vous faites quelques polyrythmes, très très important. Essayez de chercher plein d'idées. Moi, il y a deux trois idées, quand je suis parti sur deux trois idées, j'ai réécouté, j'ai dit bof bof, voilà, pas trop à refaire, voilà. Essayez des trucs, mais surtout, mettez-vous des barrières rythmiques, faites ça avec un métronome. Ne faites pas ça sans tempo. Ça, le métronome va asseoir votre tempo. Vous n'allez pas devenir meilleur soliste parce que vous allez le faire au métronome. Parce que les idées, c'est dans votre tête. Mais surtout, ça va asseoir toutes vos idées. Très important. Voilà. C'est juste pour ça que je voulais parler, parce que sinon, c'est juste qu'un solo. Je me suis amusé, point barre. Voilà. Je vous l'ai mis sans métronome. Maintenant, je vais vous mettre la version avec le métronome. Vous allez voir, c'est pas évident quand on cherche des phrases dans la tête, il faut qu'elles soient en tempo. Voilà. Amusez-vous bien, et essayez de faire de même chez vous. À bientôt. Ciao.